était une fois, vers le VIe siècle, un hameau de pêcheurs d'anguilles perdu au milieu d'un marais sauvage et inhospitalier. Ces familles inventèrent une méthode originale de pêche à l'anguille. Buter des nuits sans lune, nos rusés pêcheurs surent tirer parti de cette particularité en réalisant des prises quasi miraculeuses. Accueillons Monsieur Denis Breton pour le club de Rennes Goya. Monsieur Jean-Claude Mira pour le club de Rennes Loup Escalune. De ton comparse de toujours, ton tourneur, ton ami, avec qui tu as grande confiance, avec qui des fois de quelques engueulades, mais toujours dans l'amitié et dans le respect. Après 10 ans de carrière, tu as décidé d'arrêter et on ne peut qu'accepter ton choix. Toi, Maxime, le raseteur qui a toujours pris un maximum de risques, pour le plaisir du public et aussi le tien, car tu as toujours voulu dominer le roi taureau quand celui-ci était trop fort, ou faire ressortir le meilleur quand celui-ci était moins imposant. Toi, Maxime, le guerrier, le battant, le compétiteur, tu as toujours respecté tes adversaires, tes collègues raseteurs, les organisateurs et les managers, comme on dit chez nous, tu as toujours tiré devant et joué le premier rôle pendant 10 ans. Oui, mais voilà. Toi, Maxime, le spontané, le sanguin, ton tempérament de feu, à toujours vouloir faire plus, vouloir faire mieux, t'exposer physiquement. Ta chair, tes os, tes muscles ont souffert de nombreuses fois et ton dernier accrochage avec Optimus de la manade des Baumelles a laissé des traces, trop de traces. Aujourd'hui, Maxime, le monde de la bouline te rend hommage. Ta famille, ta compagne, ta deuxième famille et les culs à l'ado sont si fiers de ce que tu as accompli que les arènes de Lunel, les aficionados vont se lever pour toi une dernière fois pour t'offrir l'ovation que tu mérites. Mesdames et messieurs, Maxime Favier et les culs à l'ado pour leur dernier rasé. Avec les demoiselles d'honneur de la reine du Pays d'Arles, mademoiselle Manon. Le taureau qui entre en piste apprenant Rubicon. Il appartient à la manade de Cuillet, il est pas de 2 euros de plus. Falaise et compagnie portent la. Le jardin Pescalune, épicerie fine régionale, auront point d'Intermarché, porte de la mer, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde, 104 euros pour le raseteur Maxime, va ramener à 104 euros après la coupe. La cocarde, 104 euros pour le raseteur Marvin Méric. 90 euros au premier glam. Le premier glam, 90 euros pour le club Touraine Loup Escalune, 2 euros de plus. 96 euros. FDI Groupe Immobilier, 2 euros de plus.
le délégué auprès de plus. Plus. La société. C'est pour le bus. Les arènes de Lunel, c'est pour le bus. Bus. Le délégué auprès de la Fédération française, c'est pour le bus. GGF et Nanchi, des 5 euros de plus. Les supporters de Maxime Favier, 5 euros de plus. Les étanchéités, 5 euros de plus. Le groupe. Qui entre en piste à Pournon, Charon. Qui appartient à la Madame Rouquette, et 2 euros de plus. Patrick Vignal, votre député, donnera 2 euros de plus. Boucherie Guéton, centre-ville à Lunel, 2 euros de plus, la Cocardin. 106 euros pour le raseteur Vincent Marignan. 90 euros pour premier gland. Premier gland. 90 euros pour le raseteur Lucas Lopez. Garde 2 euros de plus. Le second gland. Le club Torel Lopez Calune, 2 euros de plus. Les amis supporters de Maxime Favier, 2 euros de plus. Porte la première ficelle à 130 euros. Les arènes de Lunel, 2 euros de plus. Votre société Hectare, 2 euros de plus. Volkswagen Bayard, 2 euros de plus. Porte la première ficelle à 140 euros. 5 euros de plus. Les participants à la Capella de 5 euros de plus. Un gratuit, 5 euros de plus. Garage du Gare Peugeot Lunel, 5 euros de plus, la première ficelle. Hervé Event, organisateur d'événements, 5 euros de plus. Lyon, 5 euros de plus. Le club de la jeunesse bellegardaise, 5 euros de plus. 5 euros de plus. Muriel Gros qui a dessiné le magnifique tableau de la Capella de... Churros Fabrication et vente à l'entrée des arènes, 5 euros de plus. À 280 euros, à 300 euros. Le trophée Pescalune Manu Perrault, 5 euros de plus. Le club Torello Pescalune, 5 euros de plus. Le club d'Étanchéité, 5 euros de plus. Les arènes de Martial qui vous attendent les 13, 5 euros de plus. Les supporters de Maxime Favier, 5 euros de plus. 10 euros de plus. Les arènes de Lunel, 10 euros de plus. Brunel Mobilier Décoration, 10 euros de plus. Anne de Lunel porte la seconde ficelle à 600 euros. Le taureau qui entre en piste à Pournon, Chicharito. Il appartient à la manade de Cayan. Ils auront de plus à Coca. Ils auront de plus. De la part de Paulette et Jérôme Moreau. Conseillers départementaux, 2 euros de plus. Nos amis photographes Torin, 2 euros de plus. Plus. McDo Lunel, 2 euros de plus. Les arènes de Lunel, 2 euros de plus. Coupe. Le premier gland, 90 euros pour le raseteur Emric Assénal. 90 euros au second gland. Le second gland, 90 euros pour le raseteur Lucas Lopez. Menuiserie Guerrero, 5 euros de plus. Les ou 5 euros de plus. Bachelard Colossienne, 5 euros de plus. Ou 5 euros de plus. Bachelard Colossienne, 5 euros de plus. Et Amine Maxime Favier, 5 euros de plus. Un souvenir de Jean-Marien, 5 euros de plus. Les arènes de Lunel, 5 euros de plus. 5 euros de plus. Le public des arènes de Lunel porte la première ficelle. Non pas à 1700, non pas à 1800, mais à 2000 euros.
Les vignerons du Muscat à Lunel, 2 euros de plus. Plus. Les arènes de Lunel, 2 euros de plus. Le second glam, 96 euros pour le. La levée de Trident le dimanche 14 novembre, 2 euros de plus. Les cochons, 5 euros de plus. Les arènes de Lunel, 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 5 euros de plus. Le trophée Pescaline Manu Perrot, 5 euros de plus. 5 euros de plus. Les arènes de Lunel, 5 euros de plus. Le trophée Pescaline Manu Perrot, 5 euros de plus. Moi, la manade de Boc à Lansargues, 5 euros de plus. Le délégué auprès de la Fédération Française de la Calune Épicerie Fine Régionale, 5 euros de plus. Calmé Immobilier, 5 euros de plus. Les arènes de Lunel, 5 euros de plus. La Fédération Française de la Course Camarguaise, 5 euros de plus. Paulette et Jérôme de Conseil Départementaux, 5 euros de plus. Les arènes, 5 euros de plus. De la course camarguaise, 5 euros de plus. Conseil départementaux, 5 euros de plus. Le domaine au Courchamp, c'est Christol, domaine entre lignes, 5 euros de plus. La première ficelle, 435 euros pour le raseteur Vincent Maria. Le taureau qui entre en piste à Pounon Mitron. Il appartient à la manade de Lautier. Les arènes de Lunel portent la cocarde à 100 euros. Le trophée d'Orel, le midi pour la province, 2 euros de plus. Les supporters et amis de Maxime Favier, 2 euros de plus. De Lunel, 2 euros de plus, la coupe de la cocarde, 130 euros pour le raseteur Zakaria Katif. Matériau jeudi matin Lunel, 2 euros de plus. Brunel Immobilier, 2 euros de plus. Agence Orpine, groupe BHI, 2 euros de plus. La société Hectare porte la cocarde à 140 euros. Les arrêts de Lunel portent la cocarde à 150 euros. Les ambulances s'il vous plaît, 2 euros de plus. De plus. Le bistrot de la place à Lunel Kiel, 2 euros de plus. La cocarde, donc le Néglan, Saint-Élim à Saint-Just, 2 euros de plus. Century 21, 2 euros de plus. Suez Activité aux France, 2 euros de plus. Le restaurant Le Pavillon, 2 euros de plus. Emery Cassena, la cocarde à 178 euros. Les gars, attendez, Vincent. Emery Cassena, la cocarde à 178 euros. Les gars, attendez, Vincent. Magen Bayard, 2 euros de plus. Lunel porte la première ficelle à 600 euros. McDo Lunel, 10 euros de plus. La Fédération Française de la Course Camarguaise, 10 euros de plus. Daniel Cunier, 10 euros de plus. Le département d'eau porte la première ficelle à 700 euros. Le Soujol, maire de Lunel et son conseil municipal, 10 euros de plus. Jouterie Blaise Rénal, 10 euros de plus. XL Pneu Poids Lourd du Pneumatique, 10 euros de plus. Aline Maya Lunel porte la première ficelle à 850 euros. La carrière LRM, 10 euros de plus. Aficionados Petre Camargue, 10 euros de plus.
elle porte la première ficelle à 1000 euros. Les supporters amis de Maxime Favier incluent à l'ado 2 euros de plus. La Fédération française de la course camarguaise porte la cocarde à 100 euros. La coupe de la cocarde, Lucas. La coupe de la cocarde. Bar restaurant Le Petit Bistrot, 2 euros de plus. La cocarde, 102 euros pour la race de cœur Maxime Favier. Marie Lorvitou, 2 euros de plus. Le festival du film Touraine à Lunel le 21 novembre à la salle Jean-Luz. Les arènes de Lunel portent le premier groupe Bélachi, Bruno Herma, les Sierres, 2 euros de plus. Les organisateurs d'événements, 2 euros de plus. Le premier glam, pardon, à 150 euros. L'entreprise de Projac, le spécialiste de l'étanchéité, 2 euros de plus. Brunel Architecture, Gigi Mat Lunel, 2 euros de plus. Le café du midi, Chigo et Michael, 2 euros de plus. Alès et compagnie portent le premier grand à 170 euros. Le premier grand, 170 euros pour le rasoteur Vincent Marignan. 90 euros au second grand. GGF étanchéité, 2 euros de plus. Le second grand, Triche Projac, spécialité de l'étanchéité depuis 20 ans, 5 euros de plus. GGF étanchéité, 5 euros de plus. La manade dit de l'eau Langlade. Les arènes de Lunel portent la première ficelle à 600 euros. 5 euros de plus. Le métropolitain l'info premier 5 euros de plus. Oh. La Fédération française de la course camarguaise 5 euros de plus. Les demoiselles d'honneur de la supporter de Maxime Favier 10 euros de plus. Le groupe ficelle à 800 euros. Les arènes de Lunel à 900 euros. Fleur bleue 10 euros de plus. La Fédération française de la course camarguaise, 10 euros de plus. La Galaderia Saint-Sébastien, supportrice des arènes de Lunel, 10 euros de plus. Au vin cochon, 10 euros de plus. 10 euros de plus. François Martin, la seconde ficelle est à 400 euros. Le jardin Pescalune, 2 euros de plus. La Fédération française de la course camarguaise, 2 euros de plus. La coupe de la cocarde, 114 euros pour le raseteur François Martin. La cocarde randonnée à 114 euros après la coupe. Brunel Matériaux, j'ai dit Matin Lunel, 2 euros de plus. Montpellier Méditerranée Métropole, 2 euros de plus. Le délégué auprès de la Fédération française de la course camarguaise, 2 euros de plus. La cocarde, 120 euros pour le raseteur François Martin. Le premier grand, 90 euros pour le raseteur Maxime Favier. La journée des anciens raseteurs le 28 novembre à la Manade Boc, 2 euros. Le midi du Bois Provence, le support du trophée Touraine, 2 euros de plus. Monsieur Pierre Soujol, le maire de Lunel et le conseil municipal portent la première ficelle à 110 euros. Du pneumatique, 2 euros de plus. Le midi du Bois Provence, le support du trophée Touraine, 2 euros de plus. La manade dit de l'Olanglade, supportrice de Lucas Lopez, production animation Taurine, 2 euros de plus.
Fleur bleue, l'atelier de Valérie, magazine 2 euros de plus. Le délégué auprès de la Fédération française de la... Le midi libre, la province, le support du trophée Taurin, 2 euros de plus. On les rachète en trajet des Térimas, c'est juste 2 euros de plus. Immobilier 2 euros de plus, les arènes de Lunel 2 euros de plus. Bar restera le pavillon au cœur des arènes 2 euros de plus. Le trophée Pescalune Manu Perrot 2 euros de plus. Le jardin Pescalune 2 euros de plus, la première ficelle est à 240. La Fédération française de la course camargaise 2 euros de plus. Mais doucement, s'il vous plaît. Le Pescalune, 2 euros de plus. Après François, laisse-moi le malentour, s'il vous plaît. Merci. Ce prix est décerné au raseteur avec 65 points au raseteur Vincent Marignard. Le lauréat va recevoir un livre de Manu Perrot, lunettes, reine de la Côte d'Ivoire, l'âge de droit 1940-1900. Mesdames et messieurs, après avoir gagné la finale du monde, ceci est décerné au raseteur avec 45 points au raseteur Youssef Zekraoui. Raseteur Youssef Zekraoui. Prix au meilleur héros de la saison sur les 4 courses hors finale. Le bouquet de fleurs par madame, mademoiselle Pauline Valette, demoiselle d'honneur de la Belle d'Arles. Ce prix est décerné au taureau, Micron de la Madame Lautier. Toutes nos félicitations à la Madame Lautier pour leur taureau Micron. Au roi de terre, Lucas Lopez. À une amitié au taureau Chicharito de la Madame Italia. François Passy, accompagné de son fils Flavien, vainqueur du trophée Pescalune de Manu Perrot. La finale avec le recteur. Un grand bravo et toutes nos félicitations à la Madame Italia.